vous saluons tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus. We greet you in the name of the Lord Jesus Christ. Que le Seigneur vous bénisse. And may the Lord bless you. Nous sommes contents de nous retrouver encore dans sa présence. We are happy to be back in his presence. Je vais commencer la lecture par le psaume qui a marqué notre consécration d'hier. I'll begin with the psalms that marked our consecration yesterday. Jusque-là, avec ce qu'on a connu hier dans la prière, until then, with what we knew yesterday in the prayers, nous continuons à y creuser et découvrir beaucoup de choses. We continue to dig and discovering many things. Il y a des moments où Dieu veut ouvrir d'autres choses. That time the guy wants to open up other things. Psaume chapitre 51. Psalms 51. Comparerons à d'autres choses après. We'll compare to other things later. La Bible dit ceci. The Bible says this. Moi, je vais commencer au verset 3. I'll begin from verse 3. Je pense que l'anglais commence au verset 1er. I think in English it's chapter 1. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Et voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hypose, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to your multitude of tender mercies. Blot out my transgression, and wash me thoroughly from all my iniquities, and clean me from my sins. For I have acknowledged my transgression, and my sin is always before me. Against you and you alone have I sinned and do this evil in your sight, that ye may be found just when you speak and blameless when you judge. Before I was brought forth in iniquity and in sin my mother conceived me, behold, you desire truth in the inward part of the hidden part, and you make known to me what your wisdom. Que Dieu bénisse à l'écrit sa parole, veuillez vous mettre. This word you may be seated. Dieu notre Père Céleste, Father, nous te sommes infiniment reconnaissants. So nous sommes dans ta présence une fois de plus again, pour pouvoir commémorer ta résurrection. Ouin ces écritures, alors que nous continuerons à les lire, donne-nous un contexte précis pour parler au cœur de ton peuple et nous apprêter, Seigneur, alors que nous sommes venus te rencontrer. Écarte-nous du chemin, Père. Descends toi-même au Père, Seigneur, et agis au travers de nos vies. Bénis et conduis-nous en toutes choses. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais lire Josué chapitre 14. I'll go to the book of Joshua chapter 14. Je lis le verset 6. I read verse 6. Josué chapitre avant. Tout commentaire, c'est là où nous parlerons dans quelques minutes. Before any comment, we'll speak in c'est a few minutes. De connecter Psaume 51. And to connect Psalms 51. Et Josué chapitre 14. And Joshua 14. Peut-être pour quelques minutes, de la manière que
le Seigneur en conduira aujourd'hui. According to the way the Lord is going to lead today. On sera un peu si vite quelque part. Real quick today. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Ok. Le créer cette rapidité, mais je vais travailler juste de manière à faire cette connexion. Despite me trying to connect someone and slow. Chapitre 14, chapter Josué. 14 of Joshua. Je lis le verset 6 et je descends. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephunné, les Kénisiens. Il dit à Josué: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, l'homme de Dieu, à mon sujet et au sien à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadesh Barnéa pour explorer le pays. Alors, écoutez ce qui vient là. Je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Est-ce que ça donne? Okay. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Écoutez encore. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voix de l'Éternel, mon Dieu. Si on peut lire d'abord ça. Then the children of Judah came to Joshua and Gilgal, and Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite said to him, you know the word which the Lord said to Moses the man of God concerning you and me in Kadesh Barnea. I was 40 years old when Moses the servant of the Lord was sent from Kadesh Barnea to spy out the land, and I brought back words to him as it was in my heart. Nevertheless, my brothers who went up with me made the hearts of the people melt, but I wholly followed the Lord my God. Verset 8. Mes frères qui étaient avec moi, je le répète pour la bonne compréhension, montez avec moi. C'est qu'ils sont montés ensemble. My brothers who went up with me, mais il a dit, mais ils découragèrent le peuple. But made the hearts of the people mais moi, j'ai suivi pleinement la voix de l'Éternel, mon Dieu. Et en ces jours-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage. Le pays que ton pied a foulé sera son héritage à perpétuité. Pour toi, et pour tes enfants. For you and your children forever. Parce que tu as pleinement suivi la voix de l'Éternel, mon Dieu. Of the Lord, my God. Maintenant, and voici. Now, behold, l'Éternel m'a fait vivre. The Lord has kept me alive. Comme il l'a dit, as it said, il y a 45 ans 45 years, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui day, de 85 ans. Old, je suis encore vigoureux as yet as strong, comme le jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. Was then, soit pour combattre, so it's now my strength soit for pour war, sortir, both for going out et pour entrer. And coming in. Donne-moi donc cette now, montagne forgive me this mountain, dont l'Éternel a parlé of dans ces the temps-là, Lord had spoken that day, car tu as pris, for you heard, alors que je suis trouvé des Anakins, that day that the Anakim, et qu'il y avait des villes grandes et fortifiées, that were great and l'Éternel fortified. Sera peut-être avec moi, it may be that the Lord will be et je with les chasserai me, comme and l'Éternel I shall l'a be able to drive them out as the Lord says. Je vais souligner ici here, deux à trois grandes phrases. Phrases. Nous venons de lire dans Psaume chapitre 51. Le point de connexion avec ceci, c'est quoi? David fait une requête à Dieu. David makes a request to God. Dans Psaume 51, moi je peux résumer dans ma lecture environ 13 grandes requêtes. Mais il y a d'autres lecteurs de la Bible ou d'autres traducteurs de la Bible qui en font jusqu'au-delà de 21 requêtes. Mais il y a une requête spéciale que j'ai besoin de souligner ici dans la Bible tradition française. Ça se trouve à un niveau
au verset 8, mais en anglais ça doit être verset 6. In English it might be verse 6. Il dit, mais toi Dieu, tu désires que la vérité. But you desire the truth. Toi Dieu, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Into the inward part of the heart. Racontez maintenant sa demande. Now listen what they require. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Now make known wisdom unto me. Regardez la tradition anglaise, c'est que but le now see what the English translation il says. Répète à Dieu sa volonté. It repeats the will le of grand God. Désir de Dieu, the great desire ce n'est pas God. Que la vérité it's de sa parole the truth of his que nous soit révélée, to be revealed, qu'elle soit prêchée, to be praised, qu'elle soit lue. To be read. Dieu ne veut pas que la but vérité de sa parole soit quelque chose que nous n'avons que dans la pensée, que nous n'avons que dans la compréhension. Mais le désir but de Dieu, la volonté de Dieu, of God, c'est que sa vérité that is true, demeure à l'intérieur du cœur. Et quand il a dit ça, and à l'appel à Dieu, il God, lui fait une requête. Il lui dit, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. To be within me. Quel est le lien entre what is the link la vérité de la parole dans le cœur et la sagesse divine pénétrante dans le cœur? Et vous allez voir. And now you're going to see. Mais si vous lisez bien l'anglais, if you read the English, il lui dit, fais pénétrer la sagesse au-dedans, à l'intérieur de moi. Mais l'anglais lui dit, but the English says, non, ça c'est un verset. Verse 6. Ok. Allez-y à 6. Ok. Il dit, enseigne-moi ou fais-moi connaître and teach me la sagesse, wisdom, à l'intérieur ou la place secrète. Or in the secret places. Donc in il y a une place secrète à l'intérieur du cœur. Et Dieu fait connaître la sagesse à l'intérieur du cœur, à l'intérieur de l'homme. Man, c'est à cette place-là secrète. Et à cette requête, qui intervient après plusieurs autres requêtes, nous allons connecter that ça we're going to connect that avec la requête précise with aussi the precise de Caleb. Of si vous remarquez, and now if you notice, quand Caleb formule aussi sa requête, il est bien défini. Il dit très bien aussi. Very well here. Au verset 7, verse 7, il dit, quand il est revenu they said when they returned, de l'exploration from du the pays exploration of the land, à Kadesh Barnea, il fit un rapport avec droiture de cœur. La droiture de cœur. La vérité dans le cœur. The truth in the heart. C'est un grand secret. It's a great secret. Il y a beaucoup qui connaissent la parole. But there are many who know the il y a word. Beaucoup qui connaissent Dieu. There are many who know God. Mais ils n'ont que dans la sphère des connaissances. Have them into the sphere dans leur of the tête. Their dans head, leur pensée. In their thoughts. Mais pénétrer la chose but dans le cœur into the thing demande into the heart une autre sagesse. Requires another wisdom. Dépend d'un secret donné que nous avons essayé de travailler la journée entière. Mais comme tout le monde n'était pas là, on va en parler aujourd'hui un peu, mais d'une manière générale. Mais ceux qui ont travaillé hier, ils peuvent aller très loin, parce que je ne saurais pas répéter tout comme on l'a travaillé hier dans la prière. Il continue à verser. Et regardez qu'il y avait d'autres frères. Ils étaient aussi des croyants. Ils étaient le peuple. Ils étaient choisis. Who also chosen. Parce que Moïse a choisi. Because Moses had chosen. Un explorateur. An explorer. Dans chaque tribu d'Israël. From every tribe. Ils étaient au nombre des 12. They were in the number of 12. Ils n'étaient pas des païens. They were not pagans. Mais si vous remarquez la différence, but you notice the difference entre Josué, between Joshua, Josué et Caleb, Joshua and Caleb, et le reste des 10 explorateurs, of the other spies, le problème c'est que the problem is la droiture de cœur était la différence. What's the difference? Je suis rapport à Moïse, now I give the report to Moses avec droiture de cœur. With all the uprightness of heart. Et il continue de dire, mes frères qui étaient montés avec but moi, behold, my brothers sont went tous with montés me. Jusqu'à pénétrer la terre promise. Even up to the promise ils l'ont exploré. But they even exploré. Ils ont trouvé que ce que Dieu avait promis dans la parole par Moïse était une évidence, était une vérité. Was a truth. Mais quand ils sont retournés, l'état
fin de leur cœur n'a pas produit une droiture de cœur. Il dit, les frères qui étaient montés avec moi, décourageurs eux le peuple. Mais moi j'ai suivi pleinement la voix de l'Éternel. En ces jours-là, Moïse se tira en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Là maintenant, je vais continuer maintenant. Les pays que tu as foulé le pied. Faites attention à ce point. Il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de sœurs, il y a beaucoup de croyants. Ils utilisent ces principes, mais sans connaître les contextes. Donc, Dieu a dit, said, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, sera votre possession. Non, il faut bien comprendre ça. But you ce n'est pas n'importe où. It's not anywhere. Tu y as exploré. Tu y en as eu l'évidence. Après l'expérience de l'évidence, et tu dois démontrer la chose reproduite dans la droiture de ton cœur, alors la chose te sera un héritage. Mais pas seulement ton héritage. Il dit, même à tes enfants, ça sera un héritage pour toi. Et pour tes enfants, dans une perpétuité, dans une continuité. Est-ce que tu es avec moi? Dans ce message, dans la parole de Dieu, dans la foi en Dieu, on doit parvenir à ce que tu y as expérimenté, tu y as comme évidence, et tu le prouves, sortant d'une droiture de cœur, Dieu va te donner maintenant un héritage, une récompense qui va faire que ça devient un héritage que tu transfères même à tes enfants. Dans une perpétuité. Forever. Mais là, écoutez la suite. But now listen to the rest. Et si tu comprends verset 6, and if you understand verse 6, pourquoi je dis, what am I saying? C'est ici, that it's here, Caleb, that Caleb et Josué. And Joshua. Avant que j'aille dans les écritures du message, the of the message, je suis en train de chercher and I'm looking, la généralité. Pour ceux qui n'étaient pas en prière, ça va nous demander un autre service. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Frère Branham, l'Esprit lui a parlé quelque chose. Et c'est ce que nous partageons dans ces quelques minutes. Mais c'est pour quiconque est disposé, parler pour cela. Donc, tu remarqueras que pour tous ceux qui sont allés explorer le pays, ils ont piétiné le pays promis. They landed in the promised land. Ils ont vu qu'il existe en they réalité. Saw that the land was really que c'est une vérité. Was existing and it was a truth. Mais il n'y a que deux personnes. But only two people, Josué et Caleb. Joshua and Caleb. La position de that's la foi the position of que faith qu'elle avait, that they have, c'est quelque chose qui sortait d'une évidence à l'intérieur de leur cœur. From their heart. Et parce que verset 6 dit, verse 6 says, avant que je continue le verset 9, before I continue to verse 9, il dit, le fils de Juda, ils s'approchèrent de Josué à Gilgal. Caleb était l'un des fils de Juda, parce qu'il est de cette tribu-là. Caleb, fils de Jephunné, les Kénésiens, il vient directement, il dit à Josué, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, l'homme de Dieu, à mon sujet concerning you et au tien. And me. Cette déclaration ne concernait que Josué et Caleb. Ça ne concernait pas tout le reste d'Israël. Ça ne concernait pas tous les explorateurs. Il dit, rappelle-toi ce que l'Éternel a parlé dans la bouche de Moïse, qui est l'homme de Dieu. Mais c'était à mon sujet, moi Caleb, et à ton sujet, toi Josué. You, me, et le Saint-Esprit dans notre âge, parlant au prophète, comment la sémence se reproduit selon une loi. Il dit au prophète, il faut se tenir dans la position de Josué et Caleb. Pourquoi le Saint-Esprit dit ça? Il dit, tenons-nous dans la position de Josué et Caleb. Quelle était cette position? C'est ici la particularité. That we need to talk about.
J'ai fait lire ça. I read that. Et j'ai fait introduire mon premier commentaire. I introduced my first comment. Je n'en ai que trois. I only have three. J'ai fait le bruit autour de trois commentaires. I'm making my noise like around three pour comments. Pour quiconque est concerné. For anyone who is concerned. Et on va passer à un autre travail. To another work. Regardez le verset 9. But I'll see you in verse 9. En ces jours-là, mon juge agirait. In that day, Moses il n'a pas strong. Seulement déclaré, il l'a même juré. En prononçant la by parole de Dieu, le pays qui est ton pied a foulé. Has la phase où tu as atteint, the phase that you où embraced, tu as expérimenté, that you've où tu as connu l'évidence de la vérité, et que tu as reproduit in that reproduced, dans la droiture de ton cœur, sera un héritage pour toi et tes enfants. For et il dit, and it says, parce que tu as pleinement because you have holy, suivi you have holy, la voie de l'Éternel. Follow the way of the Lord your God. La voie que Caleb a suivi the way that Caleb dans followed, cette position là de cœur, la voie que Caleb et Josué ont suivi, c'était aussi exactement exactly la voie qu'a suivi le messager de leur Moïse. Écoutez bien, cela j'ai besoin que tu voyes, parce que tu as pleinement suivi la voie de the way of the Lord, mon Dieu. My God. Ce qui était la voie pleine was the way du Dieu de Moïse of the God of Moses, était devenu la it même réalité suivi pleinement and fully par Josué et Joshua and Caleb. Et alors, but now, écoutez un mystère maintenant qu'il nous révèle au Père Hans. That is revealing on verse cela, ça va commencer le premier commentaire. And that's where my first comment begins. Je suis encore vigoureux. As yet as strong as comme I'm au jour où Moïse m'envoya. Like the day that Moses sent me. Et il dit, and it's saying, j'ai autant de force just as my strength que j'en avais alors. Was then, so is now. Soit pour combattre, my strength soit pour sortir, both for going soit out pour entrer. And for coming in. Parlons le premier commentaire ici. On the first comment. Le premier commentaire est comme ceci. Is this. Quelle est cette force? What is his strength? Que Caleb maintient. That Caleb was maintained. Ça ne change pas. That it's not changing. Il dit, je suis encore vigoureux. J'ai la même force. I have the same strength. Que du temps où Moïse m'a envoyé. The same time, like or, Moses si vous remarquez, you notice, le temps où Moïse a envoyé Caleb et Josué pour aller explorer le pays, combien d'années Caleb avait? Allons d'abord à ce premier point. Caleb avait was only 40 ans. 40 years. Je mets entre parenthèses. And I put parenthèses. Je suis au premier commentaire. I'm on the first comment. Tu veux découvrir ça avec moi? You want to discover that with me? Je reprends. Verset 10 à 11 maintenant. Verse 10 to 11. Maintenant voici. But now behold. L'Éternel m'a fait vivre. Now the Lord has kept me alive. L'Éternel a gardé Caleb en vie. Maintenant il nous révèle ce premier commentaire. This point. Comme il l'avait dit, said, il y a 45 ans 45 years ago, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Moi j'ai mis 40, and I put 40 plus 5 à côté. Plus 5 on the side. Et je t'informe. And I tell you, le jour où Caleb est allé expérimenter pour voir l'évidence du pays the promis, evidence of the il avait 40 ans. He was 40 years. Est-ce que vous me suivez bien? You follow me. Mais si tu lis ici, but si tu ne me suis pas ces commentaires, tu verras s'il y a une différence. Il n'y a pas une différence. J'ai quelque chose que je veux te faire remarquer. Something I want you to notice. Il y a 45 ans 45 que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsque Israël marchait encore dans le désert. Et maintenant, now, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Years au moment où il a rappelé, you know, Josué ici, il a 85 ans. Mais years. Regardez que il y a l'espace d'environ 40 ans. Of about 40 years, Dieu, that God, malgré le temps qui a passé 40 ans, passed, Caleb montre à Josué, j'ai la même vigueur, j'ai la même force que le temps où je viens envoyer là. Quelle est cette force qui est maintenue en Caleb, qui ne change pas, qui ne diminue pas? Il est toujours vigoureux, il a toujours la force. Il dit, j'ai la capacité de combattre les ennemis, j'ai la capacité de sortir et rentrer avec une victoire. Je
ça ne change pas en Caleb. Depuis 40 ans, Dieu conserve en Caleb une vigueur, une bravoure, une force capable toujours de vaincre ses ennemis, quoi qu'il arrive. Quel est ce mystère qui fait que Caleb est gardé toujours vigoureux, est gardé toujours dans une force, mais pas seulement une force, mais capable de combattre, sortir, rentrer, remportant toujours la victoire. Qu'est-ce qui a rendu sa vie comme ça? Qu'est-ce qui fait de Caleb? Il a toujours un victorieux dans la vie. Qu'est-ce qui fait de Caleb? Toujours quelqu'un qui triomphe. Qu'est-ce qui est spécial dans cet homme? Que même son corps, le corps ne vieillit pas en diminuant la force. Ce serait un grand secret que l'on doit connaître. Si l'état de ton cœur est dans la voie pleine, est dans la droiture de ton cœur, même la force du corps, tu peux toujours avoir le dessus. Si ton cœur est droit devant la voix que tu marches, et ça reproduit la vérité dans cette sagesse, aucun ennemi, aucune puissance, aucune chose ne peut vaincre. Si tu as combien d'ennemis, même si tu as combien d'adversaires, l'Éternel conserve en toi un moyen toujours de vaincre, un moyen de s'en sortir, un moyen d'être toujours celui que tu es. Le secret de Caleb nous montre dans les premiers commentaires qu'il y a un chakra. Écoutez ce que je te dis maintenant. Il y a des gens qui pensent que tu peut-être ils peuvent retarder ta bénédiction, le but du destin de ta vie, et que peut-être tu vieillissais selon l'âge humain et physique, on t'a vaincu. Il est trop. Où Dieu réserve toujours une force nécessaire jusqu'à ce que le but du destin de leur vie, ils vont vivre et le transférer à leur. Il n'y a personne, il n'y a aucune chose, il n'y a aucune puissance qui peut arrêter le destin de l'enfant de Dieu. Il n'y a aucune puissance capable d'arrêter le destin divin pour son fils et sa fille, même pas l'âge. Je te forme encore. And I'll tell you another thing. Avant que je continue. Before I continue. Frère Branham nous dit. Brother Branham tells us. Dieu appelle Abraham. The God called Abraham. À quel âge physique? At what age physically? 65 ans. At the age of 65. Sarah en avait combien? Now how old was Sarah? 55. Sarah was 55. Est-ce que physiquement? That physically. Une femme de 55 ans. A woman of 55 years. Peut encore se produire? Can she still have children? Donner naissance? Give birth? Non. No. C'est un mystère. Now it's a mystery. Il appelle Abraham, but he called Abraham à l'âge de 65 at the age of 65, sa femme, and Sarah, 55 at the age of 55. Est-ce que dans la biologie des hommes, une femme de 55 in a woman of 55 peut encore accoucher? Have another child who give birth, a sir. Il les appelle à cet âge, and he called them at that age, et il leur promet, and he promised, je vais vous donner un fils de la promesse, selon la terre. According to c'est the impossible. Earth, it's impossible. Mais il y a une force, but yet there's a force, dans un homme, into a man, et dans une femme, and in a woman, qui a un destin, that there's a destiny to be fulfilled, qui est capable, that is able, de rendre chaque impossibilité to make it possible, avec Dieu, with God, tout est possible. All is possible. Une femme de 55 ans et un homme de 65 ans, ils rencontrent Dieu à un âge pareil. Il leur promet, je vais vous donner un enfant. Toi, biologiquement, avec ta connaissance, ta pensée humaine, tu peux dire que c'est la vérité? Non. Dieu ne veut pas que la vérité soit dans ta pensée. Dieu veut que la vérité demeure dans le cœur et la foi mentale. Mental sont deux choses différentes. Mais écoutez le prophète. When I listen to the prophet, il regarde ce que Satan fait. Satan regarde Abraham. Il regarde Sarah. And looked at Sarah. Il dit en bon, he said, well, il reçoit l'expérience d'éveil de conscience que Dieu les appelle à un âge physique avancé comme ça. Je veux profiter. Je veux les tenter. Je veux les éprouver. Vous verrez que plus ils verront qu'ils vieillissent, plus ils vont abandonner.
But the promised child took 25 years to come. Abraham but now how old was Abraham? How old was Sarah? But now see, but since the Lord does not want you to believe in God, how you can reason about him, to understand his promises, but that the truth for which was holy, to dwell in Abraham, it requires another wisdom, it requires another wisdom, that God can bring you. Il y a certaines choses que quand Dieu t'appelle dans un instant, il veut que tu sois quelqu'un qui rend l'impossible possible. Amen. Parce que les conditions dans lesquelles je vis, donc je ne pense pas qu'un tel exploit peut m'arriver dans la vie. Ça, c'est un pensée. Les jours où la sagesse divine pénétrera ton cœur, prendra sa vérité et que tu peux la placer dans ton cœur et la suivre pleinement selon la voie de Dieu, tu rendras toutes les impossibilités qui paraissent sur le chemin de ta vie une possibilité rendue matérielle. Ça, c'est la foi. Hier, nous l'avons vu. Dieu ne fait pas une foi intellectuelle. La foi véritable, c'est la foi du cœur. It's the faith of heart. C'est croire du cœur. It's believing from heart. Il y a une place, there's a place in the heart, à l'intérieur du cœur d'un croyant. Inside of the heart of a believer. Ça nous fait croire des choses. That makes them believe the truth. Mais qui sont impossibles aux pensées humaines. Quand la pensée humaine réfléchit, c'est impossible. Que ceci arrive. Mais il y a une possibilité. C'est ça que Dieu désire. This is what God is requiring us. Wow. Écoutez un peu encore. Now listen again. Le premier commentaire. The first comment. Caleb. Now Caleb. Avec 40 ans. With 40. Il a accepté. And he accepted. Il a obéi à la mission. And he obeyed to the mission. D'explorer le pays. To explore the land. Et il est allé. And he went. Il a exploré le pays. And he explored the land. Au retour. But now in return. Pendant que la majorité. While the majority. 10 personnes. Of the people. Ont décidé de décourager. Had decided to discourage. Écoutez, il y a une majorité de gens. In our lesson, there's a majority of people. Il y a une majorité de choses. There's a majority of things. Sur le parcours de la vie. On the journey of life. Sont très décourageants. Is very discouraging. Ça t'empêche d'avoir that it prevents you from having the faith certaines from situations, heart. Certaines circonstances, certain rapports. Certain rapport or relationship. Il y a beaucoup dans les that églises aujourd'hui. Vous pouvez voir qu'ils croient Dieu dans leur cœur. Non, ils ne croient en Dieu mental. Si vous suivez dans la if pratique de leur cœur, ils font des choses qu'ils ont forgées selon leur pensée, selon leur compréhension pour rendre cela quelque chose comme ça. Sarah, even Sarah a fini par tomber also ended for he looked at it at a time and he said, Abraham, she said at this age, non, non, toi, tu at 90, you continue to believe moi, that I have a suggestion. I have a shortcut. Tu vois ma bonne ici. You see my maid here. Elle est encore jeune. She's still young. Je suis ta femme, non? I'm your wife, right? Moi, je te permets. But I allow you. Tu peux te reproduire avec elle. You can reproduce with her. C'était quoi maintenant? What was it? Un doute. That was a doubt. Sur base de là, on la the foi base of the mental donc, faith. Ce que Dieu le promettait now what God was était devenu à un moment became to a une impossibilité point, pour la race humaine. For the human race. Quand il retourne, when he returned, aux évidences du pays promis. To the evidence of the promise. Caleb. Now Caleb. Écoutez le problème maintenant. Now listen to the problem here. Et tous les autres. And all the rest. Ils ont exploré. They all explored. Mais regardez le problème. But now see the problem. Ils ont trouvé ailleurs that contraint. They found in a site. Là dans la terre promise. In the promised land. Ils ont trouvé certains types de gens. They found a certain type of people. Qu'ils n'avaient jamais vu. Who they've never seen before. On les appelle they des géants. Called
the child, il voit la taille, when he looked at their heart et leur taille, and their height, ils disent que nous they say, comme des before them were looking like grasshoppers, before that the height of this giant, ça les a découragés, and that discouraged them. Notre taille he said, can our height of a grasshopper, can we overcome this kind of people pays, and possess the land? Il est vrai it's true que ce pays là existe, that our land exists, mais le posséder, but the possessing it requires us another loop, because we have to face to this giant that of another heart, that our heart cannot even stand. We are like grasshoppers before this race of giants, in that the heart got discouraged. The majority of Israel, in their heart was discouraged. But we see him now coming out. He says, stop that. Stop that. But I tell you that it's true that the land, that we found it in il Egypt, est vrai aussi. That it also true géants, that the giants that we have seen them, but since it's God that we promised that land, that we always be victorious, we have been discouraged since God gave us that land, that we found it in Egypt, but the problem is that the battle to overcome the occupant and possess the land in heritage is what made the heart impossible to believe. But now Caleb jumped. When Caleb jumped, and I will proclaim the victory, even before the battle, and Joshua was there, they even supported them. But brothers and sisters, this land is there. It exists. God has promised us. But how can we be discouraged? Because of the giants that are found in there. If God be with us, then who shall be against us? He said, I believe that the same God that promised us, et that was so evident, but I've seen the uprightness of God, not in the heart. Si Dieu m'a promis, if God promised si me, donné, if God gave me, that is going to give me the strength to overcome my enemies. It's still possible, and it's still possible today that we can overcome all those who are surrounding us. Cette circonstance n'est pas plus grave que le Dieu qui nous a promis. It's now greater than the God that promised. La droiture de la foi, the uprightness of à l'intérieur de certains cœurs. Ils comprennent ça. They understand that. Écoutez bien. But now listen. Il dit, oh, nous y serons toujours vainqueurs. So we'll always overcome. On ne peut pas craindre la taille de ces géants. We cannot fear the height of this giant. Est-ce que tu es là? Are you there? Je vais tenter un peu. And I'll try. S'il faudrait qu'il un tout petit peu. We need to go back a little bit. Ici, ce now, sont here, des géants. These are the giants. Vous savez les géants? You know the giants. C'est une race humaine mixte. It's a mixed human race. Avec les anges, with the angels, dans ces nébulas-là. In that mixing. Vous savez, la première destruction you know, the first qui est arrivée sur la terre, that happened on Earth, c'était l'hybridation de la race avec le serpent of the human race dans le jardin d'Eden. The garden of la deuxième fois the second time que la terre va être détruite, c'est quand la race humaine human s'hybride avec les anges with the angels, the et ces esprits and the spirits, ont fait maintenant qu'il y ait des géants. Et regardez que là où Dieu promettait le pays promis, les géants sont allés à l'occuper pour rendre l'accomplissement fulfillment grow complicated and difficult if you don't have a whole heart of God. The people here and those who will listen, vous voyez, that you see les choses que vous voyez dans la parole, the things that you see c'est la vérité. It's the truth. Mais pour que tu le parles, but for you to be able to see la réalité de the reality into your life, si tu ne fais que suivre la voix if de you que la only parole, follow what the voice of the word say, you're going to wait for a long time. Ils utilisent leur pensée using their mind pour créer leur voix, so that they can create qui their own pas ways, la voix pleine, which is not the way à suivre selon that ce is que Dieu a dit. Beaucoup dans la religion, ils vivent des shortcuts qu'ils ont créés eux-mêmes de faire accomplir les so choses selon leur shortcuts. Ils ne veulent pas suivre pleinement fully, la voix de l'Éternel. The way of the Lord. Pourquoi? And why? La voix de l'Éternel. Because the way of the Lord.
un temps. It seems to be taking a lot of time. La voix de l'Éternel. The way of the Lord. On a encore des combats. That we still have to fight battles. La voix de l'Éternel. The way of the Lord. Ça nous exige trop. It requires us a lot of things. Alors ils se créent eux-mêmes. And how they'll create themselves. Comment c'est fait accompli. And how to make it be fulfilled. According to their mind. Ce que être la parole. What they want to be the word. Mais il y a aussi une race But there's de also a race of people. Leur désir. That their desire. C'est accomplir is to fulfill pleinement. Fully or la voix de ce que Dieu a comme the way of what God has said to la Vierge Marie. As the Virgin Mary. That let it be done. Selon ta parole. According to your et word. Pourtant, selon les and humains, yet according to human. That was impossible. That a virgin can conceive. Beaucoup de gens vivent leur shortcut. Are living in their shortcut. Ils n'ont pas la droiture they de cœur. They don't have the apparatus. Ils ne suivent pas pleinement la voie de l'Éternel. The way of the Lord. Parce que because il y a des difficultés. There are hardships. Il y a des blocages. There are blockages. Il y a des combats. There are battles. À faire face. To have to mais face. De Caleb et de Josué, Dieu nous réserve une autre force. God is reserving another force. Humain, even the human ne peut pas empêcher l'accomplissement. It cannot prevent mais pourquoi? But why? Avant que j'aille au deuxième commentaire. Before I go to the second comment. Pourquoi il dit? But why does it say? Il y a 45 that there's 45 years. Les 5 ans que vous voyez entre parenthèses. The 5 years you see in parentheses. Nous donnons aussi notre secret. Also donc, gives another secret. Now Caleb. Avait 40 ans. Was 40. Quand il fut envoyé explorer. When he was sent to explore the land. Il est retourné. When they returned. Il a donné ce rapport de droiture que nous disons. Maintenant, les gens sont entrés maintenant dans le pays now, promis. The day they got into the promised land, ils sont conduits maintenant la terre promise. They conquered the promised ils sont entrés land, avec Josué. And they entered with Joshua. Ça a pris jusqu'à ici 5 ans. That took up to 5 years. Écoutez bien ce que je now, veux listen dire. What I'm trying to say. Ils sont entrés dans that le pays they entered into the promised maintenant, land. Il faut que Dieu by now, it needed commence God d'un côté begin on one side à vaincre petit à petit to overcome little les occupants by qui étaient the dans le pays. Who are in the land. Et de l'autre côté, on the other side, il appelle Josué, that is calling Joshua, il appelle Elazar, il appelle les anciens du peuple d'Israël pour commencer à prendre so l'Urim et Thummim et tirer les and begin to de quelles sont les portions and what are the de la terre promise of the promised qui doivent land être adoptées selon le tribut, according to selon the les familles et selon leur génération. Ça a pris pendant 5 ans. That took about 5 years. Si c'était toi, if that was you, Joshua. Moi, je ne comprends pas. Now, I don't understand toi, you. Tu étais mon collègue. You are my colleague. Nous étions restés à deux. We stayed two. Aujourd'hui, but today, Dieu te donne une position. God gives you a position. Tu es parmi ceux qui sélectionnent. You among those who are selected. Mais regarde ce que tu fais. But now see what you're doing. Au lieu que tu mettes d'abord en premier lieu ta portion, place, ma portion, and my portion. 5 ans. But 5 years tu later, tu fais te donner aux you autres. Just keep giving to others. Ton nourriture, tu mets à toi. Now you're ne sélectionne que ce qui peut être donné aux autres. Écoutez, évitons de faux objectifs. Et des faux motifs. Quand Dieu te donne un don, when God gives il ne te donne pas pour toi-même. Il ne donne d'abord que ça sert les autres. It to serve the people. Toi, tu y es là. 5 ans. 5 years. Tu ne vois même pas l'argent que you don't even see. Maintenant, j'ai 85 but ans. Quand est-ce que moi, when je vais hériter une portion? Caleb n'est pas comme ça. Caleb is not like that. Si c'était toi, if that was you, tu crées des problèmes très politisés même. Well, et les gens ne comprennent pas qu'il y a une politique. Non, moi ici, nous sommes déjà entrés dans le pays promis. Je n'ai pas besoin de dire à Dieu, God à God et tout. Non, j'ai besoin. So quelle est ma portion? Qu'est-ce que moi j'hérite well, de tout ce que j'ai combattu ici? Je combats maintenant pour ma portion. Pas Caleb. Not Caleb. Et ne fût-ce que ça? And just that. Beaucoup, même ceux qui me voient ici. Many even those who are looking at me. Je comprends today, comment. I understand le silence how commence à pénétrer les chaises petit à petit. The silence begins to come into the chairs slowly. C'est Dieu depuis que nous le servons. This God since we've been serving. Et qu'est-ce que j'ai déjà reçu de ça? What is it that I've gained from maintenant, him? Maintenant, but now and now and tu now. Tu peux faire tout ça. You can do all that you want. Tu ne parviendras à rien. Are you not getting anywhere with that? La politique et religieuse but, de comme religious ça, politics n'était pas en Caleb. It's not in Caleb. Autre chose, man. Now the other thing. Comment Dieu? But how is it that God? Au lieu de choisir Caleb. Instead of choosing Caleb. Qui a même motivé Josué? Who's been motivated Joshua? De croire avec droit de cœur. To believe with the uprightness of heart. Mais il choisit Josué. But it chose it chose Joshua pour distribuer les to distribute the land. Mais ce vieux, this man here toujours patient, still patient.
Un fidèle patient. A faithful. Il connaît son destin. And a patient servant. Et il ne s'en fout. He knew his destiny and il sait que chacun aura son tour. He knew that everyone has il sait que le panier c'est qu'il encore. Mais c'est pas ce que nous voyons. Dans la religion actuelle, les gens that people are trying without any love, even brotherly kindness. Not you. Si vous nous suivez, la manière dont votre pasteur if you only follow the way that your pastor sees the things, ce qui vous fait là, what is making vous n'avez you jamais that? Été même au Kassai. You were never even in Kassai. Non, it's not the problem of being in Kassai. Au Kassai, on nous a appris tout de façon pas en soi. You feed where you're working at. Quand l'occasion est là, if the occasion is tu tires there, d'abord ta portion. You take your portion out first. Écoutez, now listen, ça c'est pas des Kassaïens. This is not Kassai. C'est un problème de la it's vérité the problem of the et des droitures de cœur. And the uprightness of heart. Aujourd'hui, today, si vous remarquez sur la terre, you know this on earth, beaucoup s'entretuent où? Where many dans les églises. They're killing each other in the church. Beaucoup s'entretuent où? Where they've been killed. Dans des familles. In the families. Beaucoup s'entretuent where où? Many killed. Dans la politique in des the nations. Politics of the pourquoi nation. Ça? And why this? Chacun because everyone combat pour son intérêt. Who is looking for their own interest. 5 ans se passent. C'est vieux Caleb. This old Caleb. 80 ans. 85 years. Au lieu que Josué commence par lui gratifier son collègue de bataille. His colleague of the battle. Mais il commence ailleurs. But he begins somewhere else. 5 ans passent. 5 years later. Non, les jours où la tribu s'approche. The day that the tribe arrived. Les vieux. The old man. Il dit non. He say no. Josué. Joshua. J'ai quelque chose avec toi en secret. I've got something to talk to you in secret. Au lieu de dire, instead of saying, est-ce qu'on ne peut pas faire de pro? Can we make the pro? Il lui dit, rappelle-toi la déclaration de Dieu au travers de l'homme de Dieu. Tu vois, il est fidèle à ce que Dieu a dit. Et au temps et à la saison de Dieu. And in the season of God, il ne s'est préoccupé de rien. It wasn't rushing of anything. Voilà un secret. But now see a secret there. Mais il nous a promis ça, toi et moi. But he promised that to you and I. À cause d'une certaine position. Because of a certain position. De la droiture de cœur. Of the uprightness of heart. Bon, mais là, écoutez là. But now listen, Bible God. Voilà pourquoi. And I'll see why. Il y a ces 5 ans. That this 5 years, ans. These 5 years. C'était un processus pendant lequel. That was a process. La guerre continuait pour vaincre les occupants. Et parmi ces occupants-là, il y avait toujours ces géants-là qui occupaient encore. Et en même temps, dès qu'ils conquérant la conquête d'une place, on distribue cela à quelques tribus. 5 ans se passent. Même la tribu de Juda n'a pas encore trouvé sa portion. C'était toi. If it was you. Donc moi je vais seulement à l'église là. I'm just going to church. Mais quand Dieu est béni, ce sont des autres qui sont bénis. But when God blesses others, who get blessed? Je suis venu les accompagner. Or did I come to accompany them? Pas Caleb. Not Caleb. Seigneur. Lord. Toi tu veux que la vérité. You want the truth. Soit au fond du cœur. To be in the depth of the heart. Mais je te fais une requête. But I make a request to you. Fais pénétrer. That I now make. Ta sagesse. Your wisdom. À la place secrète à l'intérieur de moi. To the secret place inside si cette sagesse-là n'est pas là. If that wisdom is not there. Tu feras le pire. You make the worst. You do the worst. Fais-moi connaître. Now make known unto me. La connaissance. The knowledge. Tu me donnes. That gives me. La sagesse. A wisdom. Fais-moi connaître. Make known to me. La sagesse. A wisdom. À la place secrète so cachée secret de mon intérieur. The hidden place of me. C'est là où nous sommes. This is where we are. En train de travailler. That we're working on. Job lui. Now Job. A dit. I'd say. Je connais. I know. Que mon rédempteur est vivant. I know that my redeemer lives. Il a eu la connaissance. And he had the knowledge. D'une sagesse. Of a wisdom. Il lui dit que dans ton it fort intérieur ici, il y a une place secrète. There's a secret place. Dans cette place là, Dieu y est caché. That God has hid. Ton soi divin. Ça va faire que même si tu es combattu, no tu es sur la cendre. If you're on the ashes. Ça toujours la rédemption. That is always that's the redemption. Ça toujours la résurrection. That is the resurrection. Ça ne peut pas vaincre ta vie.
finis par être restauré et tu transfères cette restauration à la génération de tes enfants. C'est ça connaître la sagesse dans la place secrète de certaines personnes. Dieu y est placé son soi divin rédempteur qu'on ne peut pas vaincre par n'importe quelle circonstance de sa mort. C'est ça la sagesse. Si Dieu te fait connaître qu'en toi ici, il y a mon soi divin, si tu connais que c'est son divin, c'est tout tes rédempteurs. Quoi qu'il t'arrive dans la vie, ça a toujours ta rédemption. Même pas la mort ne peut pas te faire. Alors, tu ne te précipiteras pas dans tes intérêts privés. Et là, tu nous utilises même d'autres principes. And what you can use other principles. Mais pas Josué. Not Joshua. 5 ans se passent. 5 years went by. Il est toujours dans la droiture de Dieu. And was still in the uprightness of heart. Fidèle à la parole. Faithful to the word. La vérité est toujours dans son cœur. The truth was still in his heart. Maintenant, écoutez encore. But now listen. Là, tu as compris le premier commentaire. Now you understood the first point. Allons-y. Now let's go on. Et si j'ai besoin de connecter cette requête avec une idée d'affaires. I need to connect this request with an idea. La situation que nous parlons, the situation that we're speaking of, devant les gestionnaires d'affaires, before the managers, c'est une situation différente. It's a different situation. Dans les affaires, in business, tu peux faire les affaires you can do où tu achètes des marchandises, where you buy merchandise, tu revends, you resell them, et tu vois quels sont les bénéfices que tu retires de la vente de tes marchandises. Mais ce dont nous parlons ici, c'est une autre affaire. It's another affair. Nous l'appelons we'll les investissements. The investments. Chez Dieu, to God, un cœur droit an upright heart fait l'investissement. Makes an investment. Un cœur droit chez an Dieu, upright heart, si c'est la sagesse, it has wisdom, ça ne travaille pas it doesn't work pour en tirer des profits, attract their own ça travaille interest, pour investir so dans le royaume de Dieu. The kingdom of God. Dans les investissements, in the investments, qu'est-ce que nous faisons? What do we do? Nous achetons des parts. We're buying our shares dans les entreprises qui sont des entreprises de crédibilité et qui ont un grand succès. Nous achetons des parts, nous devenons actionnaires dedans et chaque mois qui passe, ces parts-là me payent des dividendes. Deux formes des affaires ici. Two forms of businesses here. Toi, tu peux monter avec des marchandises, you can go up and down, monter, descendre à la recherche de profits. Mais il y a d'autres, nous restons seulement avec notre iPhone, just stay on our iPhone avec notre ordinateur, on, our computer, on a investi dans telle compagnie, on a investi dans telle compagnie, et chaque mois qui passe ici, toutes ces compagnies, là où j'ai investi, me payent les dividendes des parts que j'ai investi. Of the parts that I've invested je suis là. And I'm there. Je suis en train de vérifier that I'm verifying ce que mes parts ont reproduit. What my shares have reproduced comme récompense. As a reward. Deux formes d'affaires. Two different forms of business. Tu peux les voir, il est peut-être dans l'avion. Maybe it's in the plane. Tu peux les voir, il est peut-être en vacances en Europe. Tu peux les voir, il est peut-être en Asie. Peut-être, s'il ne connaît pas la comptabilité, il a engagé quelqu'un qui s'y connaît. Ils sont là pour vérifier seulement leur ordinateur. Mais pendant qu'ils vérifient là, ce sont des dividendes qui ne font qu'entrer. Et ils sont plus riches avec ça. Que toi qui montes et descends avec un tas de marchandises. Et peut-être dans des conteneurs, mais tu fais concurrence avec un marché with a market, qui with peut, a market, tu n'es même pas sûr que ça va te reproduire. You're not even sure that it's going to bring. J'ai vu dans les commerces, I've seen in business, les gens the people, qui ne dormaient pas. When I sleep, quand on faisait, on va, on achète des choses, on met dans des conteneurs. Container. La nuit là, au lieu time, de se reposer, les calculs la truc. Si ce conteneur s'est arrivé, si j'ai vendu à ce prix, je veux gagner comme ça. Nous arrivons dans les marchés, vous ne trouvez jamais tout ce que nous sommes faire dans les calculs. Non, ça n'existe pas.
Et si c'est en Kasaï, vous arrivez comme ça, des camions commencent à faire des choses dans les dépôts, et tu attends en feu de cri au marché. Nous tombons pour cas. And then you go there, the price is down. Ce que tu as prévu, which you apply, que je vends ces sacs à $30, sell at $40, directement ça se rabaisse. And now the price $15, goes down ça into $15. Ton it divides into that. Ça c'est différent d'un investisseur. From an investor. Mm-hmm. Caleb. Now Caleb. Mais donne le type d'un bon investisseur gives dans le royaume. Gives the type of an investment in the et kingdom of God. Il est calme. And it's quiet. It's calm. Et il sait. And he knows. Que maintenant. That now. Ça ne lui reporte seulement pas à lui comme investisseur. That it's not only reporting to him. Dieu déclare et dit. But God declares ça te reporte un héritage. That it's coming to give you an perpétuité. And an inheritance. Que tu l'aies. That will continue forever to your seed. Je suis arrivé un matin. And I came in the morning. C'était un après-midi. I was in an afternoon. Et je suis entré le magasin à Sam's Club. And I entered in Sam's Club. Et je suis arrivé quelque part. And I got somewhere. J'ai vu sa fille. I saw. Et là, on a écrit la déclaration de sa fille au mur. Si tu veux une fille, peut-être demain tu vas trouver. Of what? Sam's words on cette fille là dit. Now the daughter said. Ce qui est important. What is important? Ce n'est pas ce que tu gardes. It's not what you're keeping. Ce que tu rassembles. Or what you gather or acquire. Ce que tu réunis. What you gather. Mais ce qui est beaucoup plus important. But what is more important. C'est ce que tu distribues. It's what you're distributing. Scattered. What you're scattering. Et je sais qu'il l'a reçu de son père. And I know that I should receive quand son père a commencé, ce que vous voyez Sam's Club aujourd'hui, Walmart, et a commencé aussi avec les mêmes premières mentalités d'affaires. Mais à un moment donné, il a vendu ça à un public pour les investissements. It changes into a public business. Et aujourd'hui, and today, the distribution va. Ce n'est pas seulement une richesse pour lui, il est déjà parti. Ses enfants sont bénis dans cela. Les enfants de ses enfants trouvent la même richesse là. Finding the same world. Mais, Bamoud, la façon même où pour avoir ça, even the way you go to take tu vas économiser. You go to save and you have nothing. Mais c'est lui qui investit. But the one who is investing, là-bas. Il investit là-bas. Il investit là-bas. Ça va lui rapporter. And it's going to bring. Ça va bénir it's sa going génération. To bless the generation. Caleb, now, Caleb, c'est le type d'un grand investisseur. Tu veux ta foi en Dieu. You want to have faith ça in God as the secret. Il y a d'autres gens, ils ont crié Dieu de tout leur cœur, qu'ils ont investi chez Dieu. Et c'est là, les bénis, bénis les enfants, bénis leur génération. C'est ça le type de Caleb. J'ai suivi pleinement la voix de l'Éternel, mon Dieu. Moïse aussi sur l'expérience. Parce que tu as suivi pleinement la voix de l'Éternel, mon Dieu. Alors, là où tes pieds ont foulé, ça devient ton héritage. Ça devient tes dividendes. Pas seulement à toi, même à tes enfants. Ça sera une perpétuité. Ça sera une continuité. Ça te bénit comme héritage. Ça bénit tes enfants. Ça bénit la génération. Il y a des gens qui se sont investis en Dieu comme ça. Mais pas la religion des membres des églises que nous avons aujourd'hui. Mais des droitures de cœur qui investissent la vérité et qui investissent pour la vérité, vous verrez toujours la différence. Le temps me manque de te montrer où est-ce que cela a été déclaré. Mais je peux aller d'abord si vite en te donnant la base dans Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14, verset 24. Parce que nous voulons passer à notre deuxième commentaire de grande importance. Let's go to our second comment. Dieu n'a jamais
Dieu n'a jamais God has never manqué de récompenser missed a reward, un cœur droit, an upright heart, même pas ses enfants, even his children, que même la vie even qui the connaissait life, des secrets d'investissement de la vie. J'ai été enfant. I was a child, and j'ai vieilli. And now I'm old. Je n'ai jamais vu I have never seen un juste abandonné, a righteous forsaken, ni ses enfants, but his sons begging for bread. Celui qui a servi un but de Dieu the one that served the purpose dans la droiture God, de cœur, the uprightness les of heart, destins de leur vie the destiny of their ne life peuvent jamais être arrêtés. Can never be ça va toujours les récompenser it's always going to reward et récompenser le reste de la progéniture. Avant qu'on évoque un autre, peut-être dernier exemple avec ce commentaire qui vient. Before I give the last Nombre example, chapitre 14, 24. Numbers 14, 24. On est ensemble. Are we together? Servir Dieu serving God dans la droiture de cœur, c'est tout un investissement chez Dieu. Qu'est-ce que ça dit? But what does it say? Nombre 14. Numbers 14. Le Dieu de nos destins, the God of our destiny, il ne nous laissera jamais. Will not forsake us. Je lis le verset 24. Read verse 24. Il dit ceci. And it says this. Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. By my servant because he had another spirit. Et qu'il a pleinement suivi ma voix. And has followed me fully. Vous voyez ça? Il a pleinement suivi and ma voix. Fully followed my way. Je le ferai entrer him dans will la I bring into the land où il est allé. Where he went. Écoutez encore. Et ses descendants and his seed le posséderont. Shall possess it. Laissez-moi te dire well, let me tell you, avec ce deuxième commentaire with the second comment, chose qui a fait que that the thing that made, 2 millions de personnes that 2 millions of people étaient des croyants were believers, étaient le peuple d'Israël were the people of Israel. Ils sont sortis dans l'Exode they came out of Exodus sur la colonne de feu under the pillar of fire avec Moïse with Moses, la nuée the cloud, tous les miracles possibles and all the possible l'eau du rocher the water out of ils the ont rock. Marché dans un they désert walked into a wilderness. Ils ont mangé la manne they ate the manna. Tout ça ils and ont vu toutes ces bontés de Dieu all those things of God. De 2 millions but from seulement the 2 million, deux only two que je te présente that I present to sont you, les seuls de cette génération qui sont entrés dans le that pays entered into the land. Qui who? C'est ce que nous appelons that's what we call la position, the position de Josué Joshua et Caleb. Sending in the position of Joshua and Caleb. De 2 millions 2 million de croyants of the believers croyaient en Dieu, believe un véritable God, Dieu. A true God. Dieu a tout fait pour and eux. God did everything si ce n'était que Josué other than Joshua et Caleb. And Caleb. Le secret c'est quoi? What is the secret? C'est une position, it's a position de droiture de leur cœur of uprightness of qui ont reproduit that reproduced et suivi and followed pleinement fully la voix de la vérité. The voice of the truth. Peu importe no matter ce qui était impossible. What was impossible. C'est là l'Esprit dit à notre and prophète. That's what the Spirit said to our prophet. Il nous dit, and he tells us, tenons-nous let us stand dans la position, in the position de Josué et Caleb. Of Joshua and Caleb. Et c'est là où l'apôtre Paul, this is where the apostle Paul, ayant compris ce mystère, having understood this mystery, et même le Seigneur Jésus-Christ, and the Lord Jesus Christ, ils nous ont dit, that he told us, beaucoup sont appelés, the many have been qui called, les appelle, who le is même them, Dieu, the same God, mais peu, but few, sont élus, are elected. Beaucoup ont commencé. Many started. Mais beaucoup n'ont pas fini. But many didn't finish. Only a few did. Vaut mieux la fin d'une chose. It's better the end of something que son commencement. Than its beginning. Le parcours. The journey. Devait être dans 3 jours ils sont dans le pays promis. Was supposed to be 3 days in the promised land. Dieu a contourné par la voie de la mort. Parce que dans cette foule des appelés, because in the crowd il y avait beaucoup de ramassés. There were many who were just picked up.
Et maintenant, now, quand le chemin des ennemis qui va en supporter sont tombés un à un, que les jours où leurs ancêtres ont dit à Jésus, quel signe toi tu vas nous montrer? Parce que Moïse dans le désert a fait descendre la manne pour poussant à la parole pour la manne. Pourquoi on suivit Jésus? Parce qu'il a multiplié le pain. Mais pas pour une œuvre de l'éternité. Work of eternity. Beaucoup sont à la parole. Many come to the word. Et dans les églises. And in the churches. C'est pour leurs intérêts. It's for their own interest. Ça n'a aucun intérêt divin. It has nothing to do with the divine. C'est pour cela. And this is why. Comme il a suivi. Since a follow. Pleinement ma voix. A fully followed my word. Animé d'un autre esprit. Il va entrer dans le pays que j'ai promis. Land, et ses descendants vont le posséder. Or his seed will possess it. Voilà pourquoi je te dis. And I see why I tell you. Quand même Judas, that even when Judah, il était tombé, had fallen, mais à cause de Caleb, but because of Caleb, la tribu de Judas, the tribe of Judah, par les descendants de Caleb, the descendants of Caleb, ont possédé le pays, they possessed the land, de la même manière, and sous le message way, de l'or, Caleb a des descendants, qui vivront l'éternité, who shall live eternity, quoi que l'ennemi, that no matter what the enemy, try to attack into the land. But they are so, so convinced that a strong strength from the vine can maintain them. They will live the God of eternity. That they will possess eternity. That they will possess immortality. Even when things are disturbed, that the church, that we don't even have what to trust in, into the religious system. But yet there are times that have faith in the operating of God. Descendants of God, that they can enter into immortality, into eternity, and even their descendants are going to get to there. À cause de la droiture because of the uprightness of heart. Écoutez, now listen. Ne crois pas un Dieu de groupe. Don't believe in a God of a group. Ni des églises, or of a church, ni des religions, or a God of religion. Crois ton Dieu. Believe in your God. Et la possibilité dans la marche de ta have vie. Have the possibility into the journey que of your tu peux life. Te tenir devant that tes you enfants. Can stand before your children. Tu dis mes enfants. And you say my children. Je suis votre père. That I'm your father. J'ai un Dieu. I have a God. J'ai un parcours avec Dieu. I have a journey with et God. Et c'est mon Dieu. And it's my God. Amen. Amen. Ne perdez jamais les traces de ce Dieu. Don't ever lose the trace of un Dieu God, of a God, qui est ton Dieu. Who is your God? Et lequel? And whom? Peut le lequel à tes enfants? That you can live to your children. Ça c'est différent des dieux des églises. This is different from the God of the church. Dieu des religions. And the God of religion. Le Dieu de foule et the God of the crowd and the groups and the crowds and the multitudes. Quand je vous parle ces choses, when I'm speaking this je les parle clairement. I'm speaking them clearly. C'est pour cela. And this is why. Fais-moi quand même confiance. Trust me at least. Il m'est difficile it's hard aujourd'hui today que tu me trouves mêlé dans les histoires de vos religions. That you find me mixed up into the things of your religion. I won't enter in there. Chacun sa voie. Everyone their own way. Regardez encore une autre chose. But I look to another thing here. Deutéronome chapitre 1. Deuteronomy chapter 1. Je suis au verset 36. And I'm verse 36. Écoutez ce qui se dit encore. Now listen what it's saying here. Deutéronome chapitre 1. Deuteronomy chapter 1. Verset 36. Verse 36. Je vais commencer à 34. I begin from 34. L'Éternel a
entendu le bruit de vos paroles. And after the Lord heard the voices of your et words. Il s'irrita. And was wrath. Il entend les cris de vos he paroles. He heard the crying of your words. Mais il s'irrite. But he got angry. Et ça continue. And it continues. Et jura en disant. And swore saying. Aucun des hommes de cette génération méchante this evil generation ne verra le bon that will pays see that good land que je jurerai de donner à vos pères. Unto your fathers, l'Éternel jura the Lord sword, qu'aucun des hommes the none of the man méchants de cette of this génération evil generation, ne verra will les see bons pays the good que land je that I promised to give to their fathers. Excepté except Caleb, le fils de Jephunneh. The son of Jephunneh. Il le verra lui. He shall see it. C'est un destin. It's a destiny. Rien, même pas l'âge. It's nothing, not even the age, the physical age can stop that. Il le déclare, excepté Caleb. He said, except Caleb. Lui, il le verra. He will see it. We'll see it. Pas seulement ça. Not just that. Écoutez encore la suite. Now listen to the rest. Et je donnerai à lui et à ses enfants. And I'll give it to this land to him and le to his pays children. Sur lequel the land il upon a which it turned upon. Là où on foule la plante de vos pieds, steps, dans l'évidence de l'heure, dans la vérité demeurant dans le cœur, est reproduite pleinement selon la voix de l'Éternel, vous Lord, en investissez et vous-même et les enfants. In the children. Ça, ce sont des affaires aux investissements. To the investment. Il verra le pays promis. Will see the promised land. Et je donnerai et à lui. And I'll give one to him. Et à ses enfants. To his children. Le pays sur lequel and the il land a marché. In which he has walked. Hérite sur ce que tu as marché. Inheriting what you've walked upon. Là où tu as laissé les empreintes well, privées. You left the private imprint de ton investissement divin. Of your divine investment. Quoi? Not. Jouer des politiques. Playing politics. Oh. Le Dieu de ce frère-là. Or the God of that brother. Alors. And then. Comment je peux aussi l'avoir. I can also have him. Ou avoir ce qu'il fait avec ce frère-là. Or have what non. He can do with that brother. Que Dieu fait avec toi. But what is it that God selon is doing with toi, you. Tu y according to what you are. La droiture into de ton the uprightness of your heart. Parce que tu vas voir. Because you're going des to choses see que tu vas faire that par the things that you're going to do by profit. Tu ne peux pas avoir héritage. You cannot have inheritance for that. Si l'Éternel est marinier, if the Lord il ne dit pas si l'Éternel est notre marinier. Say if the Lord is our life. Si l'Éternel est marinier, is my life, et mon salut, and de qui aurais-je peur? Arrive à un témoignage de like ton God, Dieu. Of your own God. Amen. Si l'Éternel est le soutien de ma vie, ça c'est Psaume 27. De qui aurais-je peur? Il ne dit pas si l'Éternel et le soutien de nos vies. À un moment donné, et ton Dieu investit ta vie dans un Dieu pour un destin for a destiny que tu hérites that you will inherit et tu le transfères. And that you will transfer that. Tu donneras la chance à d'autres enfants. You give a chance to other children. Ils se retrouvent difficiles. They will find themselves hard. Mais but une grâce est toujours en attente. A grace is always in waiting. Ce que votre père, what your father is, ce que votre mère, what your mother is, moi Dieu, I God, je ne peux pas vous abandonner. I cannot forsake you. Ne laisse pas aux enfants, but don't leave to your children, des difficultés pour s'en sortir. Oh, your hardship, hard for them to come out of it. Laisse aux enfants. But leave to the children. Un investissement divin. A divine investment. Mon prophète dit. My prophet say. Quand je vais quitter cette terre. When I'm going to leave this earth.
J'ai quelque chose de sûr que je sais. I've got something sure that I know that I'm leaving to my children. Ça ne sera pas des diplômes d'université. It won't be the degrees from the university. Je vais les Christ. But I'm living Christ with them. Mais vois ses enfants. But see his children today. Le Dieu pour lequel il a investi. The God whom he invested in. Il a refusé la popularité. Il a refusé la richesse. Il a refusé les autres choses. Et regarde comment ça s'investit dans ses enfants. Bringing in profit to the church. Ce n'est pas la religion. It's not religion. C'est une réalité. It's a reality, a divine reality. Je lui donnerai à lui. I will give him. Et à ses enfants. And to his seed, oh children. Hier, j'ai travaillé beaucoup. Yesterday, I worked a lot. On est maintenant à une phase individuelle. We're to an individual phase. Et une phase familiale. And a family phase. Pour la fin de cette consécration. For the end of this consecration. Okay. But now listen. Verset 38. Verse 38. Josué, fils de Nun. Joshua, son of Nun. Il viendra une autre prédication sur ceci. Je suis en train de voir comment le musée égyptien est en train de traiter Josué et Caleb. Ton serviteur y entrera. But your servant will also enter. Des 2 millions. Of the 2,000. Deux seulement. Only two. Josué et Caleb. Joshua and Caleb. Il dit, fortifie-les. Be strengthened. Car c'est lui qui mettra Israël en possession. For he's the one who put Israel into the possession. Et vos petits enfants, and your little children, dont vous avez dit, that you have saved, ils deviendront une proie. That they will become a burden. Et vos fils, and your sons, qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, who do not know neither the good ce sont the Lord, eux qui entreront. The them that will enter. C'est à eux que je les donnerai. That I will give it to. Et ce sont eux qui posséderont. That will possess that. Il y a une différence entre connaître l'évidence du Saint-Esprit, knowing the evidence of the Holy Spirit, et recevoir l'évidence receiving du Saint-Esprit. The evidence of the Holy Spirit. Tu peux connaître par ta pensée. That you can know by your thought. Qu'est-ce que l'évidence que quelqu'un le sent? What is the evidence that somebody has to Holy Spirit? Ça c'est différent de toi. Tu as l'évidence que tu as reçu le Saint Esprit. You receive the Holy Spirit. Il y a une différence There's entre the difference between tu connais que Dieu existe, knowing that God exists, et recevoir un Dieu vivant. And receiving the living God sont in deux life. Choses différentes. These are two different things. Wow. Avant d'aller au dernier commentaire ici. Before going to the last comment here. Je sais que mon rédempteur est vivant. I know that my redeemer liveth, the message. Je vais lire deux citations. And I read two quotations there. Le prophète dit, the prophet said, je suis au point 37. 37. On va descendre un peu. And we'll go down a little bit. J'ai besoin de terminer avec 42. I'll finish with 42. Je suis en train de sauter. I'm skipping. Il dit, maintenant, and now, regardez qu'ils avaient chauffé la fournaise. Notice that they had heated the furnace. Et le petit Shadrach. And the Lord Shadrach. Meshach Abednego. Shadrach and Abednego. Bon, je veux que tu vois. Bon. And I want you to see. Je fais la course, mais hier nous avons terminé sur la réhabilitation. Yesterday we ended et comment with éviter l'interférence. And how to bon, écoutez, avoid écoutez the interference. Now listen here. Tentons un peu de commencer à 36. Now let's try to begin from 36. Nous pensons aux enfants d'Israël, les Hébreux. Now we think to the Hebrew children.
Lorsque Dieu avait eu un but avec eux, chaque fois que Dieu a un but avec quelqu'un, il y a toujours persécution. Il y a toujours combat contre le destin du but de Dieu dans la vie d'une personne. Il dit, regardez, nous pensons maintenant aux oppressés ses enfants. Il dit, lorsque Dieu avait un but avec when eux, God had a purpose with them, et ils descendirent à Babylone. And when they were down in Babylon, et là, une fournaise, and there the furnace, a été chauffée cette fois, was changed seven times, que ça devienne cette fois, it became plus hotter chauffée, than it ever was heated. Que jamais ils n'ont jamais chauffé. They it became harder than it ever heated. Écoutez ce que tu sais dire. Now listen what. Toi prêche-le comme now ça. Now you preach it. On va chauffer encore la bataille. J'ai ri de vous. And I'm laughing at you. Plus vous chauffez, and the more you hit, plus notre foi réchauffe. And the more our faith is reheating, God. Parce que je sais, because I know, que le soin divin à moi, that the divine rédempteur quoi is a redemptive no matter what happens. Bonne-moi une fournaise ardente, n'arrête pas le destin du but de Dieu. The purpose of God. Peu importe combien on chauffe, no matter how much they heat it, on frappe de ce côté. Tu tournes comme ça, you turn on the other ça side, ne fera rien. Le destin que tu as de Dieu, tu es obligé de l'accomplir. Qu'il ne pleuve ou qu'il neige, ou aucune puissance, ou aucun ennemi, n'a droit d'arrêter le destin de ta vie avec Dieu. The destiny of your life with God. Nous voulons que cela ne soit pas seulement placé dans la pensée, mais le prophète nous a dit, j'ai besoin que ça soit un son profond que vous sentez à l'intérieur de vos âmes. Je ne crois jamais qu'il y a une puissance sorcière. Je ne crois jamais qu'il y a une puissance magique. Je ne crois jamais qu'il y a un démon en enfer. Et je ne crois jamais, même pas un démon en enfer, peut arrêter ce but de ma vie. Ça n'arrivera jamais. That will never happen. Et celui à nous faire bouffon n'existe plus. And stop playing up this kind of games that don't exist anymore. Ils nous ont chauffé cette fois. They heated it up de manière qu'ils time, n'ont jamais chauffé cette they never fournaise. Heated it before. Pourquoi ils l'ont chauffé? And why did they heat leur but à chauffer, c'est vraiment détruit. Was out to destroy. Le but que Dieu placé à l'intérieur de ces jeunes hommes. Si ici, nous avons ce genre d'enfants, kind of nous avons ce genre de jeunes, kind of nous avons des abocos, kind of nous avons des méchants. Kind of le but de Dieu dans leur vie, où aucune fournaise ardente n'a le droit de détruire. Dieu veut une foi de cœur comme God ça. God wants a faith of heart like that. En bon, vous voulez continuer à croire votre Dieu là de you tout votre cœur? You want to continue and believe your God with all your heart. En short, non, tu nous terrorises pour you're rien. You're not going to scare écoutez, us with that. Now listen. Le Dieu du destin de la vie. That the God of the destiny of life. C'est un feu dévorant. It's a divine fire. C'est une lumière éternelle. It's an eternal light. Ça ne peut pas être détruit par votre fournaise. It cannot be destroyed by your own furnace. Comment une fournaise how can a furnace peut détruire le feu de Dieu dans une vie? Ça n'existe pas. That will never ça ne se comprend jamais. It's not cannot be understood. C'est comme j'ai un ami qui a dit, like I got a friend that said, nous avons des cantiques qui se chantent. That songs that are being est-ce que sung? Tu as déjà vu have you ever seen un feu combattre un feu? And oui. Fire fighting fire, on yes, a vu le feu with du buisson ardent. Fire of the burning bush. Mais ici nous voyons the furnace fire. Le feu de la fournaise. Now we see the fire je combattre fire. Le feu du vin à l'intérieur. Mais nous allons voir qui va vaincre. But we'll see who's going to overcome. Le feu de votre fournaise. But we'll see the fire of your furnace. Mais si vous l'avez it seven so times, but this ne fire peut like pas être du vin. Divine fire. Ça, c'est un fire that is an eternal fire. Ça a une potentialité that is a potential infinie. That is infinite. Comment est-ce que notre photo connaît chez Yaké Moto? If I were to show that they come from the armpits, tout mouni mouni. Du coup, je dis à quel pays n'est pas comme mouni mouni. But the pillar of fire to become that type of a light. Écoutez, now listen, avec cette phrase, with this phase, ils vivront ce que les Lingala disent. They will live what the Lingala say. They're in trouble. Banadi bébé, bo benyaka mete angudi.
Babeba yabo mankunye. Let them take their wood. Bawakisha ile kimbirimbiri yabo. Tunawakisha kitu. And then we turn it on our own. Amen. Amen. Ils ont chauffé cette fois. They heat it up 7 times. Lord, but comment on peut détruire l'ordre de ce qui est déjà placé dans ces jeunes gens? Pas les enfants. Ça n'arrivera jamais. But it's never going to happen. Yes, sir. Amen. 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 Dieu a besoin d'une telle foi dans le cœur. What God needs is such faith pas in dans the des pensées. Not in your mind. Amen. Wow. Avançons pas. Now let's move on. Il dit, it says, c'était pour détruire le but de Dieu. That was to destroy the purpose of God. Toute la Babylone. And all Babylon. Était à rage. Was in a rage. Je te dis, and I tell you, tous tes ennemis, that all your enemies, depuis qu'on a commencé, c'est, ils s'écrasent, ils sont à rage. Parce que cette fois-ci, on va ne prouver une dimensionnalité la plus difficile. Et c'est là, nous l'avons défié contre le ciel et la terre. Against the heaven and the earth. Si je commence par le ciel, if I begin with heaven, pour dire que to say il n'y a aucun Dieu au ciel no God in heaven capable d'arrêter son destin à moi, qu'en est-il de l'enfer? Si le Dieu du ciel the God of heaven, ne peut jamais arrêter ça, stop that, quel enfer arrêtera ça? Si je suis vu pleinement cette voie de l'éternel, j'ai investi et pour moi-même, and I've invested for myself, et pour mes Meshach, and my Meshach, mes Abnego, my Abednego, ma petit, the younger, on ne vous vaincra jamais. They will not, the young ones are not going to overcome you. Amen. Toute la Babylone, Babylon, était en rage. Was in rage. Je t'informe. And I tell you, si tu n'as pas la vision spirituelle, vision, à partir même de now, ce dimanche, from this Sunday, si tu passes, if you're going on, même là à Walmart, even at Walmart, tu verras d'autres and you see others, qui te fixent comme ça. That will start looking at you. And then when you look at them, you turn around. What is the issue? What is it? What did I do? Ils vont que the one that where you're going to que go to pas, whether you believe it or not, Trump, okay. That they're going to be initiated into some. You live here. Barrage banangari. That people with rage. You say where you're coming from. So, oh, it's a church. We're not a church today. Amen. Amen. Today we're selling the. We're giving out the powers. La force qu'il peut faire, the force that can make, que même à l'âge de 85 ans, even at the age of 85, that you could, capable de combattre, and be able to fight, les mêmes géants, the same giants, que les autres ont embloqué, abandonné la foi, blocked in faith. Dieu a des desseins but dans God les autres, ils vont faire face, going to face, peu importe l'âge, no matter il y a des age, gens qui ont toujours succès, dans n'importe quel âge, even it doesn't matter le Dieu what de Caleb, but the God va être Caleb ton Dieu aujourd'hui. On va faire face. We're going to face aux choses que les autres tremblent et fuient. Others seem to be running away. C'est là où nous allons faire face. Why you're going le to Dieu face. De toutes but les impossibilités, il va les rendre possibles. It's going to make them possible today. Wow. Est-ce que tu es là? You're there. Avec leur rage. With their rage. Ils étaient déterminés. They were determined. Satan avait certain walls, la détermination, the determination de détruire to destroy le but de Dieu the purpose of God, qu'il connaissait for he knew à l'intérieur de ses enfants children, et ils veulent les introduire dans une fournaise. Into the furnace. Ils ont chauffé ça. So it made the furnace ils ont chauffé ça. They heated it, mais écoutez ce qui vient. But now see what is coming. Je suis maintenant au point 42. And I'm on paragraph 42. Et 37. 37. À la fin de 37, il dit. At the end of 37, Dieu, says, God, si Dieu a quelqu'un, God had someone qui le sert, who would serve him, et il a un but, and his purpose qui ne peut pas être défié, would not be defeated. Si Dieu a quelqu'un,
God has somebody qui le sert. If you have somebody who can serve Dieu you, a un but then God has a purpose qui ne peut jamais that être can never be defeated. Écoutez, now listen. Le feu fire ne peut jamais défier cannot le but du plan the de purpose Dieu. Of the plan of God. C'est ça que Babylon that's et what Babylon ne comprenaient pas. When I understand le feu de la fournaise n'a pas la capacité de défier to le feu du but et du plan de Dieu dans quelqu'un qui le sait. Maintenant, il termine. Au point 42. Est-ce que tu es là? Parce que je laisse à côté certaines choses. Ça nous demande de les exploiter en détail. Il dit ceci au point 42. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous. Écoutez bien. Now listen. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous. Et c'est quoi frère Branham? C'est un feu qui nous fait brûler. Il y a quelque chose there à l'intérieur de nous. C'est us. Un feu qui continue it's à brûler. That is burning in us. C'est une lumière qui ne peut qu'être illuminée par that Dieu. Has been led by God. Écoutez. Now listen. Que il n'y a aucun devant. That no breeze. Qui peut venir can tout blow it out. Out. Il n'y a pas de vent. No breeze. Qui peut frapper. That can et faire sortir ça de l'intérieur de nous. Il n'y a pas there is no, de froid there is no cold qui pèse, même s'il y a des froids even if they are cold, qui entrent dans une église, church, mais ça n'a pas la capacité d'être le froid dans l'intérieur qui est le feu que Dieu ne fait que réanimer. Plus ils animent la fournaise, plus Dieu aussi a réanimé la fournaise intérieure. Même si le froid entrait dans cette église, was to come into il n'y a the street, pas possibilité no, que le vent de froid no, puisse étouffer la fournaise ardente du cœur. Écoutez, and listen, même s'il y a even if there is l'indifférence the indifference, à l'église, amongst il dit parmi les gens, and amongst the people, il n'y a pas de différence, no il n'y a pas de froid, il n'y a pas de persécution no du monde capable d'arrêter ce feu-là. Ça ne fait que frapper. We just try. Ça ne fait que frapper. It's trying. Ça ne fait que être réchauffé. And it's been raided. Qui fait ça? And who's doing il dit, that? C'est la flamme it's que the Dieu flame est en train de brûler. Pourquoi Dieu fait ça? And why is God doing that? C'est parce que Dieu a un but. For it is God's purpose. Et il est en train d'illuminer une lumière. That is torchlight. C'est une lumière de liberté. A torchlight of freedom. Et ça va toujours brûler. And it's going to burn. Jusqu'à l'avenir du Seigneur. Until the coming of the Lord. Écoutez la suite. Now listen what is coming il after. Il n'y a pas de puissance. There is no powers. Capable de l'enlever. That can blow it out. Hors de cela. That can blow it out. Il n'y a pas de puissance au pluriel. There is no, there is capable no de frapper ce feu. That can shake et l'enlever hors de and l'intérieur blow it de vous. Out. Il dit, saying, ils le font toujours only seulement make it, et plus ils le font ça, and the more they do that, plus ça ne fait que brûler. They're making it burn more brighter and brighter. Écoutez le prophète. Now listen as the prophet. Cela a été prouvé le long and des it's âges been proven through the que ages, plus on persécute, that persecution plus ça donne la force strengthen the bride church. Plus on persécute, the more you persecute, plus ça donne la force and the more gives the strength to the bride church. C'est ça le sacre. And that is the sacre. Plus on fait qu'on combatte, plus ça réanime le feu qui est à l'intérieur. On peut maintenant continuer with that. Quand ils les ont pris même Daniel, even they took Daniel, ils les ont mis dans la fosse au lion. Ils ne savaient pas ce qui va se passer. Not knowing what was going to happen. Ceux qui sortaient, those who were coming, dans la fournaise ardente, and the furnace fire, et qui a enlevé, and who took la puissance de la fournaise ardente, the power of the furnace fire, c'était le feu qui était à l'intérieur. It's the fire that was in those three. On dit, on agit quatrième personne. Cette quatrième personne. C'était une manifestation de la lumière qui était à l'intérieur d'eux. Même Daniel, la fosse au lion, ne pouvait rien faire. Parce qu'il y a quelque chose que plus on combat ça, plus on réanime ça. Alors, comme j'ai besoin d'arrêter, je te donne cette conclusion. And I'm giving you this conclusion. Je dis ceci. And I say this. Malgré les fils d'Anakim, despite the sons of Anakim, les géants contre the giants la vie,
against your life, contre le destin de ta against vie. The destiny of your life. Laissez-moi t'informer ceci, alors que je suis en train de finir. I'm finishing here. De même que Caleb, that in the same way that Caleb avait une requête définie, a definitive request. Laisse que ça devienne ta requête. Let it become your request today. Donne-moi cette montagne. Give me this mountain. Son héritage. Inheritance. La possession à laquelle vous cherchez. The possession to live to his children. C'est une requête bien définie. It's a request that is a definitive request. Que Dieu te donne en héritage. What is it that you want God to give you inheritance? Et comment tu vas transférer ça? And how are you going to transfer comme l'héritage as the inheritance. Il dit, and it says, ça doit être un témoignage. It has to be a testimony. Laissez-moi t'informer. And let me tell you, ça doit être reporté. That it will be brought back. Que la montagne que Caleb posait là. Donne-moi cette montagne. C'est là où même les géants. This is why even the giants were occupying. Mais Dieu a vivifié une God force. God quickened the strength. Il a combattu ces and géants. He fought those giants. Il a possédé cela. He possessed that. Dieu a fait. And God made. Que les Anakim occupent le même. Occupy the same land que Caleb réclamait. That Caleb was claiming. Depuis. Since. Qu'Israël qui avait peur. That Israel was afraid. Et qui s'est rebellé à Kadesh Barnea. And rebelled at Kadesh Barnea. Mais regardez Caleb. But now look at Caleb. La lui souhaitait. That he wished. Prouver. To prove. Qu'à l'intérieur de ton that, cœur. That in his heart. Lui poursuivre ce que le Seigneur a dit pleinement. That the Lord had clearly spoken. Que ce que les autres. Then what other people. Ont eu peur. Were afraid of. Ce que les autres. Were others. Se sont rebellés dans ce message. Were rebelled in that message. Nous on va faire face à ça. That we're going to face that. Et il dit, and it says, c'était pour prouver, and that was to prove, que la force, that the force, et la volonté, and the willingness, de combattre même à l'âge de 85 ans, 85, et monter à tout Israël, go up to Israel, et aux autres dans and les générations, in the generation, le vrai salut, that the true salvation, à les élites de la foi, as the elite, le vrai salut de the Dieu, true salvation, à des élites de la foi, as the elites of faith, ils sont les maîtres de toute situation. Master of all situations. They have the master of all circumstances. Even if the situation, even if the circumstance, est déjà envahi that is already par les carried out by the giant. De la foi. But the doors il of de faith is the master of all situations. It's the master of all circumstances. Et il doit toujours and that he has Dieu to glorify God in that. Peu importe quelle chose. That no matter what it is. Peu importe quel combat. No matter the battle. On est détail. That we are of à faire face, face à combattre fight, et cette force, in this force de la mettre dans des gens qui ont la capacité de vaincre tous les géants de la vie. C'est l'élite de la foi. Croire Dieu dans le corps, le salut de Dieu dans the ton corps, of God in the de faire une élite de la foi. And make them an elite c'est la possibilité, that the possibility, c'est la capacité that the capacity de vaincre tous les géants de la vie. The giants of ça va démontrer that is going to show que malgré le combat, despite the battle, tu finis toujours dans un victoire. Aujourd'hui, and today, quelle est ta requête spéciale? What is your special request? Caleb l'avait bien défini. Caleb had it defined. Malgré qu'il savait que despite c'est là où c'est quand on tous les géants. That was all the que les autres ont eu peur depuis Kadesh Barnea. J'ai 85 ans. 85. Dieu me donne encore la victoire. Dieu me donne encore la force. Je dois sortir. And I'm going to je dois combattre. And I'm going to je retournerai avec and victoire. I'll come back et with il l'a fait. And he il a vaincu. And he overcame Dieu a tourné cela. And God gave that to him l'étage à ses enfants. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse.